Bienvenue à la Vallée Estivale, bonne fin de semaine. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir pendant une bonne fin de semaine d'été? C'est la question qu'on vous pose cette semaine. Pour répondre à la question, vous devez aller sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Et sans plus tarder, voici mes chroniqueurs fétiches qui sont là chaque semaine pour vous donner du bonheur. Ça va bien? Ça va, toi? Mais Colin, je me suis ennuyé de vous. Ah, nous aussi. Je suis sûr que c'est ennuyé plus que des filles que moi. Alors, vous allez répondre quand même à la question. Oui, je m'ennuie plus des filles. Quand même. Alors, Catherine, toi, une fin de semaine, là... Une belle fin de semaine. Pour moi, c'est d'aller en campagne. Ça me fait du bien. On est dans la ville, on stresse la semaine, puis ça fait du bien d'aller à la campagne. Est-ce que t'es plus une fille de campagne que de ville? Eh bien, la fin de semaine, oui. J'ai comme un deux côtés de moi. Oui, parce que j'ai besoin de bouger et faire plein de choses, de fun. Puis la fin de semaine, de relaxer, profiter du lac, des arbres. Ouais, j'aime beaucoup. C'est ça. Être riche aussi, Sam. Hein? Alors, non, pas tous un chalet. Pas exactement. Ouais, en tout cas, moi, écoute, mon côté, c'est simple. Il faut que ça soit occupé. La bière. Non, vraiment pas. Moi, je m'occupe. Okay. Tant que j'ai un certain horaire assez chargé les fins de semaine, ça peut être des road trips, ça peut être des parties, des fêtes. Ouais, mais ça doit être chargé. Ça doit être chargé. Ouais. Moi, relaxer, non? Ça te tente pas? Je fais ça la semaine au chalet. Toi, Sarah? Moi, eh bien, je veux pas paraître la fée quétaine, mais moi, c'est être avec mon amoureux. Toute la semaine, on travaille, on court partout, et puis ben, la fin de semaine, c'est le moment où on est ensemble. Ouais. Et puis, il faut que ça se passe souvent à l'extérieur, parce que il fait beau, on en profite, on fait des sports, puis tout ça. On fait des sports ensemble. Et toi, Younes? Ben, moi, qu'est-ce qui ferait mon plaisir, la fin? Mais c'est juste de. Je sais pas, une piscine, surtout ces temps-ci, il fait chaud. Tu viendras chez nous? Oui, ben, c'est sûr et certain, je vais venir. Alors, on a une émission très chargée aujourd'hui, beaucoup de sujets à traiter, et on commence tout de suite avec toi. Oui, alors cette semaine, je vais vous parler de théâtre, de dictée, de fraude et aussi de famille d'accueil. Alors, ça, c'est les sujets intéressants cette semaine. Toi, Sam? Le festival le plus attendu, en tout cas de mon côté, le meilleur festival à Laval, les fêtes gourmandes. Oh, c'est tout un festival. J'adore la musique, j'adore le mondial d'Auto-Québec de Laval, mais les fêtes gourmandes... C'est ton petit coup de cœur. C'est comme là. Oh oui, moi, puis la bouffe, là, c'est incroyable. Ben oui. Ça paraît. On a d'autres points, on va en jaser dans quelques. Oui, ça paraît. C'est correct, j'assume. Les plaisirs de la vie passent par la bouche. C'est ça. Au moins, toi, t'as des muscles. Sarah, tu nous parles de quoi dans le sport? En sport, mais tout d'abord, cette semaine, on a une grande place pour le baseball, mais du côté des nouvelles sportives, je vous parle de basketball et de football. On commence tout de suite avec du théâtre. Oui, exactement. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer M. Marc-André Brunet, qui nous fait découvrir un théâtre qui nous permet d'apprécier l'été. Avec moi en studio, M. Marc-André Brunet. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un théâtre à ciel ouvert qui se déroule à Laval. Et vous en êtes rendu à votre troisième année cette année déjà. Oui. Comment avez-vous démarré le projet? C'est un projet qui part de la Maison des Arts de Laval, de Lisanne Gendron, qui travaille là-bas, qui, elle, avait le désir de créer du théâtre extérieur, familial, surtout pour la jeunesse, de l'offrir gratuitement dans les parcs comme ça. On se connaissait un petit peu pour avoir travaillé ensemble, puis elle m'a proposé d'embarquer sur ce beau projet-là. Alors, j'ai dit oui tout de suite. Vous avez sauté sur l'occasion. Oui, tout à fait, exactement. Et en plus, vous écrivez les pièces et vous êtes également le metteur en scène. Et pour la pièce cet été, la Comédia que vous présentez, comment s'est passé le processus de création? J'ai travaillé un petit peu différemment. En fait, habituellement, j'écris la pièce. Les deux derniers spectacles que j'avais fait, j'avais écrit la pièce. Puis ensuite, je tassais un peu l'auteur pour mettre le chapeau du metteur en scène. Alors que là, ça a été un petit peu plus superposé, ces deux fonctions-là. Les deux en même temps. Ouais, on a commencé en fait par improviser à partir de canevas de Comédia dell'Arte qui existe déjà. Donc, on s'est inspiré de ces canevas-là. Avec les comédiens, on a fait des impros. Moi, je suis retourné après ça écrire un petit peu. On est revenu en salle de répète. On a testé des choses. On a changé le texte. En s'inspirant un peu sur comment les comédiens... En s'inspirant beaucoup du jeu des comédiens. Okay. Parce que c'est un type de théâtre où est-ce que les personnages, les archétypes sont très mis de l'avant. Et puis, c'est vraiment un show de comédiens aussi, je pense. On s'en va là pour voir des comédiens performer. Donc, je voulais m'assurer de m'imprégner de leur énergie puis d'essayer le moins possible de leur imposer des trucs qui sont moins naturels pour eux puis de pouvoir les mettre en valeur dans cet esprit-là. Quel est le mandat du théâtre à ciel ouvert exactement? Bien, en plus d'offrir en fait des spectacles gratuits à l'extérieur, c'est aussi pour encourager la relève. On essaie de prendre des jeunes artistes, des jeunes créateurs pour leur donner une première expérience de travail professionnelle.
Et puis l'idée, c'est idéalement que ça dure un peu comme la roulotte fait à Montréal, qui est un théâtre ambulant. Donc l'idée, c'est peut-être d'installer une structure puis de créer une habitude chez les spectateurs pour les retrouver d'année en année à long terme. Et c'est même très amusant pour les comédiens parce que ça leur permet de faire une petite tournée. Exactement. C'est super fun. D'ailleurs, je peux les nommer. En fait, pour la comédie, on travaille avec Yannick Chapdelaine, Marie-Ève Laverdure et Émilie Saint-Germain. Pour le mur infranchissable, les comédiens, c'est Gabriel Paris, Talia Almona, Milva Ménard et Philippe Robert. Et puis, on travaille avec la collaboration de Claude Paiement, qui est un auteur et comédien de formation établi à la Ville de Laval, directeur artistique du théâtre Harpagon, qui nous parraine un peu, qui nous chapeaute dans ces projets-là, donc qui nous aide, nous, jeunes relèves, à marcher dans le droit chemin du théâtre. Oui, ils sont là pour vous. Exactement, oui, on est bien entourés. Il y a une solide équipe à la Ville au niveau administratif et artistique. C'est vraiment une belle expérience pour nous, vraiment. Et la pièce, La Commedia, c'est inspiré du style La Commedia dell'arte. Oui, complètement. C'est ça, c'est quoi exactement ce style? En fait, c'est un type de théâtre italien. On n'est pas exactement sûr des origines parce qu'il n'y a pas de documents exacts. On sait que c'est né dans les rues en Italie il y a plusieurs centaines d'années. À des théâtres ouverts aussi, à ciel ouvert. Exactement, dans la rue, c'est ça. C'est un type de théâtre très, très, très populaire qui s'adresse directement aux gens. Il n'y a pas de quatrième mur. Les personnages savent que les spectateurs sont là. Le spectacle est pour eux. C'est du théâtre masqué avec des demi-masques. On connaît probablement, les gens connaissent probablement les archétypes les plus populaires, l'arlequin, le pantalon, qui est le vieil avare, un peu libidineux. On a le personnage du capitaine aussi dans la version qu'on a. Et retrouvez, est-ce que vous avez tous ces personnages-là dans votre pièce? J'en ai pris trois, en fait, officiellement. Okay. Arlequin, Pantalon et le capitaine de la Commedia dell'arte. On a une Colombine aussi qui est un personnage de Commedia dell'arte, mais qui n'est pas une vraie Colombine dans le spectacle, qui est plus une amoureuse, qui, elle, joue sans masque. On s'est tout à fait inspiré des canevas et des personnages le plus possible. Puis quand on a fait ce beau travail-là de recherche, d'essayer d'être fidèle un peu à la tradition, bien là, en ce moment, dans les derniers milles, on essaie de casser tout ça puis de s'approprier les choses aussi un peu puis faire notre propre Commedia dell'arte aussi pour les gens. Oui. Et votre concept est différent de celui dans les salles intérieures. Mm-hmm. Pourquoi offrir du théâtre dans les parcs? Parce que là, pour vous, c'est dans des parcs. Là. Exact, oui. Bien, moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable parce que, d'abord, c'est gratuit. Les gens peuvent venir, il y a des gens qui partent, qui viennent. Il y a des gens peut-être qui n'ont jamais vraiment eu la chance d'aller au théâtre. Il y a des jeunes enfants qu'on voit que c'est probablement la première expérience théâtrale qu'ils ont. Donc ça, moi, je trouve ça super d'aller à la rencontre du public. D'aller chercher ces gens-là. Exactement, d'aller les intéresser, d'aller leur proposer quelque chose de festif, de ludique, d'accessible, de leur montrer comment le théâtre, ça peut être agréable, tout ça. Donc, plutôt que d'attirer les gens en salle, bien, c'est un peu nous qui allons vers eux pour leur montrer qu'ils peuvent passer un après-midi super avec... Pour les 0 à 99 ans, en fait, l'idéal, c'est d'amener sa chaise pliante, un petit pique-nique, puis on vient voir les comédiens essayer de donner le meilleur show possible. Et c'est quoi la programmation pour ce... Cet été, en fait, il y a deux spectacles qui vont reprendre l'affiche à Laval. Comédia, dont on a parlé, qui va être au Centre de la nature à partir du dimanche 8 juillet jusqu'au samedi 11 août. Okay. En fait, c'est toutes les fins de semaine, les samedis et les dimanches, entre le 8 juillet et le 11 Donc, août. Donc, les gens, ils ont le choix. Exactement. Ils ont le temps d'y aller. Oui, on a une vingtaine de représentations. On joue deux fois par jour à 11h et à 13h30. Et puis, il y a le spectacle qu'on a joué l'été dernier, qui s'appelle Le mur infranchissable, qui va faire la tournée des différents parcs de Laval. Donc, c'est vraiment en tournée. La pièce est ambulante, se déplace. C'est commencé, en fait, depuis mercredi, le 4 juillet, et ça se termine le 15 août, si je ne me trompe pas. C'est les mercredis et les dimanches. Il faut aller sur le site de la Ville de Laval pour voir où est-ce qu'on est, dans quel parc on est rendu, puis c'est à quelle heure qu'on joue. Vous reprenez la même pièce que l'an passé aussi? Tellement qu'elle était bonne. Oui, exact. Bien, en fait, le concept avec la ville, ça a été de présenter la pièce une première fois pendant l'été au Centre de la nature, donc sans se déplacer. Et puis là, la deuxième année, on reprend la pièce pour vraiment aller rejoindre le public en se déplaçant dans les différents parcs. Et puis, fait qu'on a retravaillé exactement le même texte avec la même gang de comédiens. J'ai exactement le même texte, mais c'est pas vrai parce qu'on a fait des petits changements. On essaie des changements toujours... subtils. Ouais, bien, on est en création, donc on essaie toujours d'offrir le meilleur spectacle possible puis de faire les petits ajustements qui permettent de rendre le show encore meilleur, on l'espère. Ouais. Et pour le mur infranchissable, les gens, pour avoir la programmation, ils vont sur le site de la ville? Oui, c'est l'idéal d'aller sur le site de la Ville de Laval. Sinon, sur Facebook aussi, on peut nous trouver. Les différents parcs avec les différentes heures sont là, mais c'est surtout les mercredis et les dimanches qu'on est en représentation avec le mur infranchissable, le samedi et le dimanche avec la Commedia. Parfait. Donc, on va sur le site de Facebook pour obtenir plus d'informations. Oui, sur Facebook ou sur le site de la Ville de Laval pour avoir toute l'information. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Tous ceux qui ne connaissent pas bien le baseball, ça tombe bien parce que Sarah est là pour vous l'expliquer. Là, tu mets bon. La barre haute. Ou... Bien, t'es très bonne aussi, là. Parce que je connaissais pas ultra le baseball avant que je rencontre Monsieur Sans Chagrin et que je découvre mon historique du baseball que je vais vous présenter à l'instant. J'y vais? Vas-y, je te donne mon cul. Alors, le baseball moderne a vu le jour aux États-Unis. C'est également là qu'il s'est développé avant de se diriger à l'extérieur des frontières du pays. Il est présent dans le paysage américain depuis plus de 150 ans et le baseball fait souvent figure de référence, parfois mythique, de la société américaine. Ce sport s'inspire de plusieurs autres sports britanniques tels que le rounders et le cricket. Le cricket aussi, exactement. Ouais, qui est très connu un petit peu partout dans le monde. Oui. Alors, dans le fond, ces sports sont populaires au 17e et au 18e siècle, et c'est ce qui entraîne le développement du baseball par la suite. Suite à un rapide développement aux États-Unis, il y a plusieurs équipes professionnelles ainsi que ligues de baseball qui ont été formées par la suite. On peut dire que c'est un sport un petit peu récent. Ça fait juste 150 ans. Je suis un petit peu surpris. Je pensais que ça existait avant ça. Mais non, 150 ans. Moi, je ne connais pas l'historique antérieurement, mais ouais. 150 ans, c'est quand même reste bien pour un sport. Oui. Et ensuite, on continue. Le baseball olympique est déjà rentré à plusieurs reprises dans les stades, mais il aura fallu attendre jusqu'au 13 octobre 1988. Donc ça, c'est pas tout à fait récent, pour qu'il soit officiellement reconnu comme étant un sport olympique. Ouais. Et pour ceux qui veulent voir, qui veulent suivre notre équipe canadienne aux Jeux olympiques, ben, ils sont en compétition aux Jeux olympiques de Londres. Ils s'en viennent très, très bientôt, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, on attend ça avec grande impatience. Oui. Mais en attendant, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Marco Sans Chagrin de l'association Baseball Lavalest. Pour parler de baseball, je suis en compagnie de M. Marco Sans Chagrin, le vice-président du club baseball Lavalest. Bonjour, M. Marco. Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien. Merci d'être venu en studio avec nous. Tout d'abord, pour commencer, il existe 4 associations de baseball à Laval. Il y a Delta, Vimonteuil, Laval-Nord, Laval-Est, dont vous êtes le vice-président. Exact. Est-ce que le baseball, selon vous, c'est un sport populaire à Laval? Bien sûr. Évidemment, c'est pas aussi populaire qu'il y était il y a 25 ou 30 ans où il n'y avait que le baseball, mais le baseball est encore un sport très populaire. Les 4-5 dernières années, on a augmenté au niveau de la région de Laval. Il y a cette année, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'on fait exception. Mais les 4-5 dernières années ont été très bonnes. Puis je pense que le baseball reprend vie tranquillement, revient à la mode. Ou... Ça revient à la mode, c'est une vague. On profite de l'absence des expos, j'imagine. Et puis, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour populariser davantage le sport auprès des jeunes? Oh mon Dieu! Auprès des jeunes, je sais pas. À Laval, c'est évidemment, si on mettait un peu l'accent sur les infrastructures, améliorer les infrastructures, les parcs de baseball qui datent des années 50, 60, sont un peu désuets. Évidemment, si on mettait un petit peu d'argent là-dessus, ça aiderait beaucoup. Et puis le reste, je crois que les bénévoles font un travail incroyable. Ils travaillent très fort au niveau du recrutement et puis aller chercher les jeunes pour essayer d'augmenter justement le membership. Quel serait l'âge idéal pour un jeune à commencer à jouer au baseball? Oh mon Dieu, il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes qui commencent à 18 ans, comme on peut commencer à 4 ou 5 ans dans toutes les catégories. Le jeune trouve sa place. L'important, c'est de le mettre chaque jeune à la bonne place, justement. Puis vous me parliez d'un programme tout à l'heure avec pour les tout-petits, les jeunes accompagnés de leurs parents. Exact. Alors, le rallye cap pour les tout-petits, 4, 5, 6 ans, le jeune va travailler normalement en équipe avec son parent. Tu as un animateur qui va expliquer les ateliers ou les travails à faire. Et puis, c'est le parent qui va travailler vraiment avec son jeune tout le temps que son jeune va faire les ateliers. Puis c'est excellent. Normalement, le jeune n'est pas gêné avec son parent, le jeune est à l'aise, et puis c'est la meilleure manière de faire, je pense. Puis en plus, ça apporte des bénévoles parce que le parent est habitué d'être sur le terrain avec le jeune. Alors quand il arrive dans une catégorie plus vieille, ça nous aide aussi de ce côté-là. Ça va mettre une nouvelle vague de bénévoles. Il suit la progression de son jeu. Et puis, c'est mieux aussi pour l'entraîneur de l'équipe des jeunes. Il n'est pas pris avec une espèce de meute de petits enfants. Bien, évidemment, à cette catégorie-là, il n'y a pas vraiment d'entraîneur comme tel parce qu'il n'y a pas vraiment de match. C'est plus comme des petits ateliers que les enfants, ils vont jouer, ils vont faire des petits ateliers, ils vont s'amuser. Mais c'est un apprentissage qui est un peu différent. Quand on arrive à partir de 7 ans, 8 ans, au niveau atome, et là, on arrive vraiment dans les matchs avec plus de croutillants. Plus de compétition. Plus de compétition qui, normalement, va satisfaire le parent et non le jeune. Le jeune, jouer au baseball, faire des ateliers, ça le satisfait, mais le parent a hâte de le voir jouer, faire des matchs. C'est vrai, ça. C'est très vrai. Et puis, en ce qui concerne les jeunes filles, est-ce qu'il existe des programmes pour les aider à s'adapter dans le baseball, les intégrer auprès des jeunes garçons? Oui, évidemment, dans les régions
je dirais, où il y a moins de softball. Nous, ici à Laval, on a un petit peu de softball, alors c'est un petit peu plus difficile de faire du baseball féminin. Par contre, cette année, on a une équipe de baseball féminine. Je ne sais pas combien ils ont de matchs de jouer, je n'ai pas les statistiques, mais semble-t-il qu'ils ont bien du plaisir, puis c'est l'essentiel. Et puis nous, on a déjà eu une équipe de filles aussi du côté de la Valesse pendant 3 ou 4 ans. Et puis les filles ont du plaisir aussi. Mais les filles, plusieurs d'entre elles veulent jouer avec les garçons et compétitionner avec les garçons. Donc, on en a aussi dans nos équipes régulières qui vont jouer avec les garçons, qui recherchent peut-être un petit peu plus de compétition. Et vous me disiez tout à l'heure que c'était possible pour une fille de progresser avec une équipe masculine jusqu'à un certain âge. Il n'y a pas un moment Il n'y a pas de limite. Là. On a une ligue qui est junior, mais où il y a junior, où il n'y a presque pas de limite d'âge. Alors, j'ai Cynthia qui est là, qui doit avoir 21 ou 22 ans, qui joue avec nous depuis minimum 15 ans, là, qui joue au baseball, puis elle joue avec les gars, puis pas de problème avec ça. Une vraie adepte. Ah oui, c'est une fan. C'est une des premières inscrites au début de saison. C'est une mordue. Elle est passionnée. Concernant les inscriptions, ouais. Parce que c'est quand se déroule la période d'inscription? Normalement, on fait une période d'inscription qui est au mois de mars, février, mars. Ensuite, on a un autre. On prend les inscriptions jusqu'au mois d'avril intensivement. Ensuite, de ça, au mois de mai, on fait les équipes, mais on peut prendre les inscriptions, aller vraiment jusqu'au mois de juillet. Quelqu'un se réveillerait aujourd'hui et dirait: mon Dieu, j'ai le goût de jouer au baseball. Bien, il y a peut-être encore moyen de le faire. Il s'agit d'appeler et de vérifier si exactement dans les bonnes catégories, s'il y a encore un peu de place. Et puis, quand débute exactement une saison? C'est quand la fin? La saison elle-même et la fin commencent genre le 15 de mai ou le 20 mai, la 2e ou 3e semaine de mai, pour aller se terminer dans la dernière semaine de août, pour faire suite aux séries de fin de saison, jusqu'au championnat provincial qui se passe normalement la première fin de semaine de septembre, en fait, du travail ou dans ce coin-là. Okay, donc... Mais le baseball, nous, on commence en janvier avec une école de baseball en gymnase. Ensuite de ça, il y a une école de baseball, des gymnases de remise en forme tout le mois de mars. Le mois d'avril, on commence les camps d'entraînement pour préparer nos équipes, justement pour le début mai, être capable de faire nos équipes de A, les évaluations, tout ça, pour le début de saison qui se fait à la mi-mai environ, là, pour... Mettre tout ça en branle. Peut-être à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, bien, pour les évaluations, on fait tout ce qu'on peut à l'intérieur, puis dès que la température le permet et que la ville aussi le permet avec les terrains, parce que la ville, des fois, sont réticentes avant le 1er mai, mais on triche toujours un peu, puis on s'entend bien quand même. C'est nos terrains, on ne veut pas les briser. On peut se le permettre. C'est ça, on ne veut pas les briser, c'est nos terrains. Et puis sinon, je me demandais, qu'est-ce que vous croyez que le baseball offre de plus que tous les autres sports aux jeunes qui pratiquent le baseball? Bien, moi, j'aime le baseball à cause du côté réfléchi. Côté intellectuel. C'est un sport où il a l'air peut-être par moments tranquille, où il y a peu d'action, mais le jeune a toujours quelque chose à penser, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui va arriver, pour être tout le temps prêt au moment où ça va arriver. Alors, à partir du moment où tu as de l'hésitation, tu as de perdre une fraction de seconde, c'est fini, tu as perdu ton jeu. Alors, il faut vraiment être tout le temps prêt, être à l'affût. Alors, c'est ce côté-là intellectuel que j'aime bien, qui tient les jeunes alertes. En terminant, est-ce qu'il existe un endroit où on peut avoir plus amples informations sur le baseball à Laval? Évidemment, les sites Internet sont un lien facile où on peut avoir accès pour chacune des associations. Alors, chacune des associations, que ce soit club de baseball-laval-s.com ou Laval Nord ou Delta ou Vimonteuil, on peut passer aussi par RDS, Baseball Québec. On va dans la région Laval, on va voir toutes les associations qui sont là. C'est encore moyen plus facile, je pense, de communiquer avec l'association concernée, dépendamment où on réside dans Laval. Alors, Internet, le moyen rapide de l'époque. Exact. Monsieur, c'est déjà tout pour cette entrevue. Merci beaucoup de votre temps. Merci d'être venu. Alors, merci à tous. À la prochaine. Merci, Sarah. C'était exceptionnel. Ben, c'était un plaisir. C'était un grand chelem. Oui. Catherine, tu participes à la dictée cette année lavalloise? Pas exactement, pas moi, non, mais je me suis entretenue avec M. Jean-Jacques Lapierre au sujet de la dictée lavalloise qui en est maintenant rendue à sa 17e édition cette année. Demeurais à Laval? Non. Non, je viens de Montréal, mais... Ouais. C'est un défaut qui peut se corriger. Non. J'ai avec moi M. Jean-Jacques Lapierre qui vient nous parler de la dictée lavalloise. Bonjour, bienvenue dans ce studio. Bonjour Catherine, ça fait plaisir de vous parler d'une activité exceptionnelle sur le plan ludique. Je suis très contente. Oui. Par qui est organisée la dictée lavalloise, pour commencer? La dictée lavalloise est organisée par l'Association Québec-France section Laval, qui organise cette activité depuis 17 ans déjà.
depuis 17 ans. Alors, c'est une des activités très importantes sur le plan ludique parce qu'il n'y en a pas d'autres, au fait, aussi importantes à Laval. Du moins, s'il y en a, je ne leur enlève pas le crédit, mais non. Du moins, celle-là est importante. Et elle est importante aussi dans la province de Québec. Et combien de personnes y participent exactement? Ah, bien, il y a près de 350 personnes qui participent. Et ça, c'est extraordinaire. Écoutez... C'est très populaire. C'est populaire. Écoutez, un beau samedi après-midi, lorsqu'il fait beau, réunir 350 personnes pour participer à une dictée. Alors, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'intérêt. C'est de voir tout l'intérêt des gens qui participent. C'est exceptionnel. Et il y a de l'intérêt pour les plus jeunes et les plus vieux? Vous avez différentes catégories? Bien oui, nous avons l'intérêt d'abord pour ceux qui ont déjà été gagnants. Alors, parce qu'auparavant, il y en a qui sont tellement forts que s'ils reviendraient, ils pourraient gagner encore. Alors, pour donner la chance à d'autres, on a créé une section pour ceux qui ont déjà gagné. Ensuite, une section pour les adultes, une section pour les gens du collégial, une section pour les gens du primaire. Alors, tout le monde est satisfait, puis ça donne la chance à tout le monde de participer, puis d'avoir l'intérêt. Écoutez, il y a une chose intéressante aussi, ça réunit aussi les différentes ethnies. Nous avions cette année 8 ethnies différentes, des gens de différents sommes, des gens d'Afrique, 3-4 pays d'Afrique, l'Amérique du Sud, des Libanais, il y en avait des Grecs. Il y avait des gens de 8 ethnies différentes qui participaient à la dictée. Wow! Ça montre qu'il y a beaucoup d'intérêt, c'est intéressant. Écoutez, ça crée de l'animation, ça crée les gens discutent ensemble. C'est vraiment... Ils sont bons, ceux qui viennent des ethnies différentes. Ils doivent être meilleurs que... Pas meilleurs, mais ils sont bons. Ils sont très bons, ils sont même très bons. Ils s'appliquent beaucoup d'intérêt à ça. Oui. Et qui est le lecteur exactement de... Ah, Marius Brisson, vous connaissez, qu'on connaît bien ici, Marius. Alors, Marius est notre lecteur depuis plus de 15 ans. Écoutez, c'est un professionnel. Il nous aide beaucoup. D'abord, au début, Marius, il a commencé il y a une quinzaine d'années. Déjà, il était à la télévision, sur les grands réseaux. Alors, Marius connaît la façon de bien livrer le texte. Il livre bien le texte. Vous savez, il est exceptionnel, Marius. En parlant de ça, Marius, ici, le livrer, la façon de le livrer, pas trop rapidement. Il prononce bien aussi. Vous savez, c'est une préparation, la dictée. Avant de lire la dictée, il faut rencontrer ceux qui ont préparé la dictée pour connaître l'étymologie de certains mots et savoir comment les prononcer. Et en parlant de préparation, pour les participants, comment est-ce qu'ils se préparent? Est-ce que c'est 6 mois d'avance, un an? Non, bien, pas nécessairement. Les gens le savent. Il y a même des organisations qui font des dictées, qui se préparent à des dictées, qui font des dictées. Pratique, on n'a pas le choix. Bon, c'est un jeu. La dictée de Lavalois, c'est un jeu. D'abord, tous les résultats demeurent secrets. Alors, les gens viennent participer au jeu, puis à la fin, ils essaient de comparer le nombre de fautes, combien de fautes ils ont eues, puis disons que c'est des petites obstinations, et on vient nous voir. Comment se fait ça? C'est pas correct, tu sais. Alors, on est obligé de sortir nos dictionnaires, leur montrer qu'on a raison, puis ça, parce qu'il faut faire attention. La dictée, c'est préparé avec beaucoup de soin. Et ceux qui préparent la dictée le font 6 mois d'avance. Ceux qui préparent la dictée. Alors, et ceux qui se... Pour performer, essayer de gagner. Oui, c'est ça. Mais il y a ceux qui la préparent la dictée aussi, il y a ceux qui font la dictée, qui préparent la dictée. Alors, se préparent eux autres 6 mois d'avance pour la faire. Alors, le sujet, déjà, on sait quel sujet ça va être l'an prochain. C'est secret, par exemple. On ne dit pas immédiatement. C'est des vrais. Oui, c'est des vrais. Ah, mais c'est bien. C'est intéressant de voir ça. Est-ce que les participants bénéficient dans d'autres disciplines que le français? Dans d'autres disciplines, ça crée de l'intérêt d'abord pour suivre leurs cours dans les études, surtout au niveau du primaire. On remarque que ceux qui participent à la dictée vont porter plus attention en classe, vont avoir plus d'intérêt. Ça crée aussi une gymnastique intellectuelle qui va aider aussi en mathématiques, par exemple. Ça a l'air drôle de dire que le français va aider en mathématiques. Oui, toute la gymnastique intellectuelle qu'on peut faire, à un moment donné, ça apporte, à un moment donné, du bien-être aux jeunes, puis ça leur montre aussi avoir un peu plus de discipline, par exemple, aussi. Mais quelle est l'importance de cet événement pour la province et également pour la ville de Laval? Bien, pour la ville de Laval, d'abord, ça fait rayonner la culture. C'est un rayonnement de la culture dans la ville de Laval. Et puis, c'est une fierté de dire que c'est une des 5 plus grosses meilleures activités ludiques dans la province de Québec. Je dis ça avec une certaine réserve, mais avec fierté aussi. Mais plus que ça, c'est que la dictée, elle est internationale. Elle est donnée en même temps à Laval, en Mayenne, en France.
En même temps? En même temps. La même journée, à peu près, peut-être à quelques heures de différence, elle est donnée à Laval en Mayenne. Elle est internationale, la dictée lavalloise. Et les résultats de nos Lavalois qui sont du Québec sont très, très bons. Meilleurs que les Français. Ils sont très, 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 très bons. Hein? Très, très, très bons. Bon. On est fiers. Oui, on est fiers. Bien, il faut dire, par exemple, qu'eux autres ont peut-être moins de personnes qui participent que nous autres. Il y a moins d'intérêt là-dedans. C'est que la ville, quand même, Laval, c'est quand même 400 000 habitants, un peu plus de 400 000 habitants. Et puis là-bas, bien, c'est un environnement à peu près de 60 000 personnes. Alors, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a un succès qui est beaucoup plus grand que les autres. Par qui a été préparée la dictée? Ah, c'est M. Laurie Lapalme et M. Hyacinthe Lehoux qui ont préparé la dictée. Ce sont des professeurs d'école, puis du recteur, puis des gens très impliqués au niveau du français qui préparent ça. Et comme vous dites, ça leur prend 6 mois pour la préparer. Mon Dieu. Oui. Est-ce qu'on récompense les gagnants? Est-ce qu'on donne des prix? On a des bons prix. Oui. D'abord, nous avons des commanditaires exceptionnels. Nous avons le Club Richelieu de Laval. Nous avons aussi des mécènes comme M. Éric Fréchette, M. Ouimet, et puis la librairie Fortin, M. Thibault de la librairie Fortin, qui sont des mécènes extraordinaires, qui donnent des prix d'abord en argent, et puis des prix du contenu, des livres, des dictionnaires, des choses vraiment intéressantes. Alors, nous donnons des prix en argent, il y a près de 1 500 $ qui sont donnés en prix. Des prix de participation d'abord lors de la lecture de la dictée. Ensuite, pour les gagnants de la dictée, on donne d'autres prix en argent encore. Plus des volumes. Alors, c'est intéressant. Les prix sont vraiment... Très variés. Oui. Et quelle est la liste des gagnants? Ah, la liste des gagnants. Oui. La liste des gagnants, d'abord, pour le niveau primaire. Écoutez, nous avons Mathieu Crousselet de l'école Alfred Pellant. Alain Lortie, qui était son enseignant, on tient à le dire, parce que souvent, ils sont stimulés par l'enseignant, c'est bien. Au niveau primaire 2, Félix-Antoine Malot, de l'école Le Baluchon. Mme Josée-Anne Duplessis-Brochu qui est l'enseignante. Au secondaire, Félicia Thibodeau, du collège Regina Assomta. Dans classe invitation, c'était Louis Chevrier, les anciens gagnants, pour les anciens gagnants. Et les adultes qui ont gagné cette année, et c'est pas peu dire parce qu'elle était difficile. Elle semblait simple à la dictée, mais elle était très difficile. Alors, nous avons Dominique Gingras, nous avons Marcel Bisaillon, nous avons Auria Arroscanu, nous avons Julie Thibault et Michel Trigouet. Alors, vous voyez, il y a deux noms qui ne sont pas familiers là-dedans. Vous avez Trigouet, qui n'est pas un nom familier, et Auria Arroscanu. Et ça, c'est un monsieur qui est probablement d'origine, je ne sais pas, roumaine ou quelque chose comme ça. Arroscanu, ça me semble de ça. Voyez-vous que deux dans les gagnants, deux personnes de... Deux sur quatre ou cinq, c'est très bon. C'est très bon. Oui, c'est très bon. Et où peut-on obtenir plus d'informations pour... Bien, naturellement, les journaux locaux puis la télévision. TVRL va informer les gens l'an prochain. Ça va être au mois de mars. La dictée va avoir lieu toujours au mois de mars. C'est à l'occasion de la semaine de la France... pour la promotion de la langue française. Avez-vous un site Internet où on peut obtenir plus d'informations? L'Association Québec-France, section Laval. Association Québec-France, section Laval, et vous demandez la dictée, information sur la dictée lavalloise. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Le plaisir est pour moi, Catherine. Toujours, plaisir. Donc, comme ça, Sam, ton festival préféré, c'est les Fêtes Gourmandes. C'est un festival merveilleux. On parle de bouffe, on parle de musique. Musique et de femmes. Non. On parlait de bouffe et on a rencontré Eduardo da Costa. Et par le fait même, si tu me permets, parlant de gourmandise avec les Fêtes Gourmandes internationales de Laval, tu te rappelles à la première émission, j'ai dit que j'allais faire un top 5 des meilleurs sangria à Laval? Ben oui, on s'en rappelle. On était sûr que t'allais oublier. Après le troisième pichet, là, j'ai failli oublier les deux autres places. Mais j'ai un top 5. J'ai un top 5, rapidement. Numéro 1, 3 brasseurs. Original. Ça, c'est mon choix personnel, on s'entend. Écrivez pas des hate mail. Deuxième, Houston. Houston. Houston à Laval. Oui. Bonne sangria, une bonne variété de sangria. OK. Blanche ou rouge. Ah, il y en a deux sur ton Le Pub O'Neill. Oui. Très bonne sangria aussi à Rosemère. Le Zibo à Laval.
Ouais. Et bonne... pour terminer et clôturer le tout, le Café Universe. Ah voilà, c'est ouais. magnifique. Ouais. Mais merci beaucoup de ce top 5. Ça a été la tâche la plus difficile de ma carrière d'aller trinquer chercher sur 5 pichets de sangria. Mais surtout ça a été... que t'es plus un gars de bière que sangria. Non. Sangria, mais... c'est excellent, mais d'un autre côté, on va continuer avec Eduardo da Costa, avec les fêtes gourmandes internationales de Laval qui récidive encore une fois cette année et très proche des métros. C'est un rendez-vous, les gens. Avec objectif d'atteindre 75 000 visiteurs, les Fêtes gourmandes internationales de Laval cette année récidive. Et M. da Costa, on a appliqué quelques modifications qui vont permettre à non seulement les Lavallois, mais aussi les gens de partout de venir se joindre à ce beau festival. Oui, le plus grand changement qu'on a eu, 75 000 personnes, c'est vraiment un objectif qu'on pense qu'on devrait atteindre. Mm-hmm. Et le principal changement qu'il y a eu, c'est l'endroit. À la place Claude Léveillé, qui se trouve être juste à côté du cégep Montmorency. Et en sortant du métro. En sortant du métro, exactement. Mmh. Le stationnement du cégep Montmorency est gratuit pendant la période des fêtes gourmandes. Donc, c'est vraiment un rassemblement où est-ce que les gens en voiture, en métro peuvent arriver. Et c'est sur un site gazonné. Mmh. L'année passée, on était sur l'asphalte. Le site était magnifique, mais sur l'asphalte, avec la canicule qu'on avait eue, c'était difficile un peu pour les gens. Donc, un nouveau site, un nouvel emplacement. Vraiment un beau coup de chapeau que la Ville nous a donné avec le site qu'ils nous ont proposé là. Et au niveau des exposants, est-ce qu'on retrouve, parce que c'est un événement qui prend énormément d'ampleur d'année en année. J'ai visité personnellement toutes les années précédentes. Moi, la bouffe, je suis là. Et là, est-ce qu'on a des nouveaux exposants qui viennent s'ajouter à l'événement cette année? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours les affaires existantes comme manger du kangourou, manger des insectes. Ça, c'est toujours une partie très amusante des fêtes gourmandes. Mais il y a aussi des nouveaux pays qui se sont ajoutés. Le Portugal, l'année passée, on n'avait pas le Portugal. Le Portugal est là. Mm-hmm. Il y a plein de nouvelles affaires comme ça qui s'installent. C'est vraiment après se placer vraiment solidement à Laval, les fêtes gourmandes. Mm-hmm. C'est vraiment cool. Et là, cette année, on a une présidente d'honneur, Anne Desjardins, qui est quand même très reconnue puisqu'elle est chef propriétaire de l'hôtel et restaurant Spa L'eau à la bouche à Sainte-Adèle. Pourquoi avoir contacté cette chef-là en particulier? Bien, Anne Desjardins, parce que c'est quelqu'un qui est dans la Rive-Nord. Ouais. Et tu sais, nous, on fait l'événement, mais au niveau de la cuisine, on s'y connaît pas. Mm-hmm. Donc, quand quelqu'un veut parler vraiment de cuisine ou veut savoir, exemple, le pâté chinois, d'où ce que ça vient, demande à Anne Desjardins. Elle est vraiment au courant. Elle connaît sa cuisine par cœur. Est-ce que tu sais faire un pâté chinois? Je suis pas vraiment très bon, mais l'année prochaine, dans le concours pâté chinois, je vais tenter ma chance aussi. D'ailleurs, tu devrais être très bon là-dedans. Je vais y aller contre toi, sachant que tu sais pas en faire. Fait que là, oui, on parle d'Anne Desjardins, fait que ambassadrice cette année. Il y a aussi un autre volet qui est très intéressant qu'on parle du concours. C'est le concours que j'ai entendu full trippant qui arrive. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes de 8 à 17 ans. Parle-moi un peu plus de ce concours-là. Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions de télévision sur la cuisine, mais on n'a vraiment rien pour les enfants. Puis de plus en plus, on se rend compte que la cuisine, ça touche tout le monde. Mm-hmm. Quand on a pensé partir un concours, et surtout la réponse qu'on a eue, c'est surprenant de voir ce que les enfants... Il faut faire attention, de 8 ans, on ne va pas les envoyer dans le fourneau ou quoi que ce soit. T'sais, on ne demande pas nécessairement aux enfants de faire des muffins. Ouais. Mais on a toutes sortes d'affaires et c'est vraiment surprenant de savoir comment ça part du bol de céréales à rajouter des bananes, n'importe quoi dedans. On a vraiment vu de toutes les couleurs. Puis c'est vraiment un concours qu'on va essayer de garder avec les années pour voir donner une place aux enfants. Parce que les fêtes gourmandes, c'est beaucoup la famille. Mmh. Puis demain, ça sera les enfants qui vont continuer les fêtes gourmandes. Et les gens devaient présenter un petit vidéo de 3-4 minutes. Ouais. Et la finale va avoir lieu le dimanche, le 29 juillet à 14h. Alors, si vos enfants sont inscrits, dimanche, 14h, vous devrez être au rendez-vous. Un autre aspect à ce concours-là, il y a le volet musical. Il y a plusieurs shows à chaque soir, dont notamment jeudi, il y a I Love Rock and Roll, dont Marie-Chantal Toupin en fait partie. Et aussi vendredi, un gros rendez-vous, c'est Elle Chante Cabrel. Ouais. On a des gros noms, Mélanie Renaud, Marie-Chantal Toupin et Joe Bocan qui seront au rendez-vous. Est-ce que ça a été dur de, con-
à part Marie-Chantal Toupin, parce qu'on sait qu'elle fait partie aussi de cet événement-là, est-ce que ça a été dur de convaincre les autres? Ça n'a pas été dur parce que le Chant de Cabrel, c'est un disque qu'on a fait, nous, cette année, et on a eu un succès. Le Chant de Cabrel a été pendant 7 semaines dans le numéro 1 des ventes au Québec. Et quand c'est tout à fait nouveau, on le présente au public pour une première fois. Donc, les autres chanteuses ont envie aussi de venir pratiquer ce show-là, de venir le livrer, de venir le présenter à tout le monde. Ça va être assez exceptionnel parce que Cabrel, tout le monde aime Cabrel, puis d'avoir 7-8 artistes invités sur une même scène, c'est vraiment un côté qu'on veut donner. Une fois qu'on va avoir mangé du kangourou, puis avoir mangé des sauterelles. C'est bon, du kangourou. C'est très bon, du kangourou. On en a mangé ici à l'ouverture, à la conférence de presse. J'ai mangé pour la première fois mon petit hamburger au kangourou et c'est très bon. Moi, je veux pas trop m'en vanter, mais j'en ai mangé en Australie même. Ça, c'est mieux que le kangourou ici, fait que c'est ça. Le Chant de Cabrel, ça va être un show. On a le 25, il y a Émilie Lévesque qui fait la première partie de Marie-Chantal. Ouais. Marie-Chantal en deuxième partie. Okay. Curé Labelle, qui est un band aussi... C'est un band de Lavalois. C'est un band... Ouais. Non, c'est un band de Québec. C'est des gens de Québec qui étaient là l'année passée. Okay. Et ça a tellement bien marché qu'on les a ramenés. Ils vont avoir beaucoup de musique. Et la soirée vraiment intéressante, c'est le samedi soir, la soirée disco. Oh. On a donné un défi à un jeune DJ Nino, qui s'appelle... Nico, excusez-moi. Ouais. Le petit gars, il a 17 ans. C'est lui qui va nous faire revivre les années du disco. Un gars de 17 ans. Un petit gars de 17 ans, vraiment vu par lui comment est-ce qu'il nous voyait. Tout ça. Fait que ça va être la grosse soirée disco le samedi soir. Alors, pour les gens qui n'ont pas encore, par hasard, venu faire un tour aux Fêtes gourmandes dans les années précédentes, on retrouve la bouffe, on retrouve un peu chaud musical. Est-ce qu'il y a d'autres activités ou d'autres choses qui sont encore... Oui, dans le jour, il y a la zone enfant où est-ce qu'il va y avoir des jeux gonflables, il faut le dire. Il y a des jeux gonflables pour les enfants. Il y a aussi Kiki, qui est la coccinelle sans points. Okay. C'est Jessica Laranjo qui va être là, qui va faire rester un conte. Okay. Elle va lire un conte régulièrement pour les enfants. On a Princesse Cassandra, qui gagne beaucoup à être connue des enfants, qui va venir éduquer, parler de la bouffe avec les enfants. Puis Princesse Cassandra, elle a 14 ans, elle est magnifique. On l'a fait venir de son château pour venir voir les enfants. Avec le château aussi. Le château, on l'a pas emmené. Trop lourd. Mais les enfants vont avoir une grande, grande partie pour les enfants. Très active. Et le soir pour les adultes. En fait, le soir, Marie-Chantal, Émilie Lévesque, elle chante Cabrel, les enfants restent là. C'est vraiment un rendez-vous pour la famille. C'est vraiment un rendez-vous familial. Alors, on rappelle les dates, 25 au 29 juillet, rendez-vous en face du Cégep Montmorency pour les gens de Montréal. Si vous avez des amis à Montréal qui voient l'émission, rendez-vous à la station métro Montmorency. Et bien sûr, ceux qui se rendent en voiture, le stationnement est gratuit. J'ai bien hâte encore une fois cette année. Merci beaucoup d'être passé en studio. On vous attend. Merci. On vous attend en grand nombre. Pour avoir joué au baseball et lancé pas mal de coups aussi, tu veux nous parler de ton expérience? Je vous parle de mon expérience. Tout d'abord, je mérite la médaille d'or, puisque je n'ai jamais joué au baseball de toute ma vie, puis j'ai quand même réussi à frapper plusieurs balles. J'étais là, c'est des fausses balles. Ouais. Je te visais personnellement, Sam. Mais est-ce qu'il y a eu des blessés quand même? Ou... Sam, OK. Alors, je vous présente mon initiation de baseball que je suis fière de vous présenter avec Alex Sans Chagrin. Par cette belle journée ensoleillée, je me trouve présentement au parc Pépin et je dois vous avouer que je rêve de jouer au baseball depuis que je suis petite et c'est aujourd'hui que ça se passe en compagnie d'Alex Sans Chagrin. Alex, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Alors, par où est-ce qu'on commence pour m'initier au baseball? On va commencer par se lancer la balle pour bien s'échauffer, pour pas se blesser. OK, alors on y va. Tu gardes les pieds stables, puis c'est juste fouetter le poignet. C'est important d'attraper à deux mains. Comme ça? Oui. Bon. OK, bien ensuite, on peut aller attraper des roulants, comme tout bon joueur de baseball. Fait que viens. J'arrive. Alors, Alex, explique-moi comment on fait un roulant. Alors, pour attraper un roulant, tu commences par avoir les jambes un petit peu plus larges que les épaules. Ensuite, tu baisses les fesses. Puis tu mets ton gant par terre avec ton autre main pour protéger. Puis après ça, tu absorbes la balle. Parce que je me relève? Ouais. OK.
C'est bon? Oui. C'est qui appelle? Parfait. Excellent. Alors, prochaine étape, l'étape du bâton. Je suis pas mal dangereuse avec ça dans les mains, alors je vais demander à Alex de me montrer comment bien tenir un bâton. Mais Alex? Est-ce que t'es gauchère ou t'es droitière? Je suis droitière quand je frappe. C'est bon. C'est ça, oui. Alors, tu mets ta main gauche en bas. OK. Tu mets ta main droite collée sur la main gauche. Collée sur la main gauche. Oui. Puis, tu montes ici. À la hauteur des épaules? À peu près. Puis quand tu frappes, t'étends les bras. Est-ce que je me tourne? Non. Ben, comme ça, ouais. Ah, faut que je sois comme ça. T'étends les bras, puis tu fais le poignet. Je flexe une flexion du poignet? Ouais. Comme ça? À peu près, ouais. Puis explique-moi, pourquoi est-ce que les joueurs de baseball frappent tout le temps comme ça, à terre, ici? J'en ai aucune idée. OK, pas grave. Alors, on est prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Est-ce que c'est moi qui frappe? Alors, je prends tes conseils, Alex. Comme ça? Ouais. Faut bien garder les yeux sur la balle. Parfait. OK. Parfait. Oups! C'est très bon. C'est excellent. Tu devrais frapper le travail de lanceur. Tu devrais frapper l'air du lanceur. Oh, là, je regardais plus, là. Pas eu beaucoup réticent, les gars. Avant de vous dire. Excellent. C'est qui lance? Une dernière pour la chance? Yeah! Alors, Alex? Ouais. Je te remercie de tous ces conseils. Ça fait plaisir. Je vais aller appliquer pour une ligue majeure de baseball maintenant. C'est parfait, tu l'aurais choisi. J'espère, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Encore une fois, Catherine invite un policier ici dans nos studios. Oui, encore une fois. Cette fois-ci, pour nous parler de quoi, alors? Cette fois-ci, c'est pour nous parler de la fraude chez les personnes âgées. Et j'ai rencontré l'agent Franco Di Genova. Avec mon studio, l'agent Franco Di Genova. Comment allez-vous? Très bien, vous? Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des fraudes chez les personnes âgées et du service patrouille à vélo. Exactement. Si on commençait par les fraudes chez les personnes âgées, est-ce qu'il y en a beaucoup? On en a eu environ 2 ans. Depuis ce temps-là, ça s'est calmé, mais les enquêteurs nous disent que depuis un certain temps, ça recommence une autre fois. Okay. Je vais vous donner un exemple que moi, j'ai vécu il y a 2 ans. Une madame de 80-81 ans, elle se fait appeler par téléphone. Et le suspect, lui, se fait passer pour le petit-fils. D'abord, la conversation a été dans le genre de « Bonjour, grand-mère, c'est moi, Jérémy, votre petit-fils. » Elle, la madame, ne l'a pas reconnue tout de suite au téléphone. « Oui, comment ça va? » Puis là, c'est « J'étais dans le bout de Trois-Rivières, je vais acheter un restant de Depna qui a fait faillite, sauf que ça me prend de l'argent. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? » Ouais. Alors, le premier montant, c'était de 2 000 et elle est allée dire que ça tombait. Un de mes amis est vraiment pas loin de chez toi, il peut passer vers telle heure. Sauf que le petit Jérémy n'existait pas et madame n'a pas fait des téléphones pour vérifier tout ça. Si c'était vrai. Si c'était vrai. Alors, la personne qui se présente chez elle, c'était le suspect. Et il se fait remettre 2 000 en argent comptant. Est-ce qu'on a été capable de repérer ce suspect? C'était difficile parce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance où la dame habite. Voilà, que la description qu'elle nous donne, encore, c'est vague, c'était pas précis. Sauf que vu que ça fonctionnait très bien le premier coup, un deuxième téléphone, une couple d'heures plus tard,
Et c'est encore le supposé Gilles Émile, le petit-fils, qui dit « J'ai besoin d'un peu plus d'argent parce qu'un autre de mes chums ne veut pas investir dans le lot. » Alors, à ce moment-là, bien, la deuxième transaction, madame s'en va à la caisse qui n'était pas très loin. Et là, il retire environ un montant de 5 000 Et le suspect, encore une autre fois, se représente peut-être une demi-heure plus tard et se fait remettre de l'argent comptant. C'est quand même des gros montants. C'est pas... des gros montants. Des personnes âgées, ça vit sur une pension, certains montants par mois. Alors, pour certaines personnes, c'est des montants de 7 000 ou même 2 000 c'est de la grosse argent. C'est énormément. Alors, nous, qu'est-ce qu'on conseille? C'est d'en parler avec des membres de la famille, votre enfant ou peut-être un cousin, une cousine, même dans le cas de la banque, la gérante de la banque. Quand vous faites des gros retraits de même, selon moi, elle devrait poser des questions. Pourquoi vous en avez où avec ça? De l'argent comptant en plus qu'on ne conseille jamais de faire dans un sac à main ou dans un portefeuille. Il faut poser beaucoup, beaucoup de questions. Et maintenant, on utilise beaucoup les chèques. Pourquoi pas avoir une méthode comme ça? C'est... Exactement, des chèques ou peut-être un transfert d'argent, mais même à ça, poser des questions. Appelez les membres de votre famille. Est-ce que Jérémy vraiment est à Trois-Rivières? Il fait quoi? Là? Posez beaucoup de questions. Et pourquoi vous dites que maintenant, les fraudes reviennent chez les personnes âgées? Avez-vous eu quelques cas ces temps-ci? On a eu quelques cas qui font un peu surface. On a eu des cas comme on vient de voir, comme je l'ai expliqué. Aussi des cas où ce qu'on voit l'été plus, beaucoup plus, c'est bonjour monsieur, il vient de sonner à la porte, puis votre toiture, elle commence à être fatiguée. Je suis capable de vous le faire, vous ne cherchez pas le gros prix parce que je suis à ma retraite. Sauf que ça me prend quand même 1 500 pour acheter le matériel et je vais vous faire ça. Et par la suite, on va discuter de mes frais à moi. Sauf qu'il se fait remettre 1 500, il part avec, il ne revient jamais. C'est incroyable. Encore une autre fois, on demande des références pour qui a déjà travaillé ce monsieur-là. Posez beaucoup de questions. Et de aussi peut-être la personne âgée de demander peut-être à un petit-fils d'avoir conseil ou absolument. De ne pas prendre la décision sur le coup. Pour... Exactement. Retardez un peu la décision. Prenez un bon 24 heures, dans certains cas, même 48 heures. Posez beaucoup de questions. J'ai un monsieur qui vient me voir, il veut faire réparer ma toiture. Sauf que s'ils ont de la famille, bien, grand-maman, votre toiture est bien correcte. Et souvent, ça peut être louche si la personne veut que ça soit fait immédiatement absolument. Et sous pression. Absolument, sous pression. D'abord, on dit, mettez un frein à ça, stand-by, au moins 24 heures. Exactement. Donc, faut faire très attention. Exact. Et maintenant, si on parle du service patrouille à vélo, oui. L'été, on a beaucoup d'événements dehors au centre de la nature. Vous allez être bien présent à vélo? On va être présent en vélo. Encore cette année, c'est déjà commencé. On a 22 patrouilleurs, hommes et femmes. Ça se promène en vélo. Ils font l'île au complet, des parcs, des berges, centre de la nature. Il y a des festivités qui s'en viennent, à Sainte-Rose également. Alors, ils vont être présents. Qu'est-ce qui nous aide dans ce cas-là? C'est parce que le monde s'attend d'avoir un véhicule de police, que ce soit une moto, un camion, une auto. Sauf que quand ils voient des policiers en vélo, là, c'est vraiment une belle surprise. C'est une belle surprise. Puis les gens font attention. Ils font attention, exactement. Ouais. Et ça change un peu leur comportement, vu que c'est aussi, vous êtes aussi là pour nous protéger. Exactement. On arrive, c'est tranquille, on n'attend pas le moteur, on ne voit pas les gros feux d'urgence de police. Ils ne s'attendent pas à ça. On a ses vélos. Si jamais on a à courir après quelqu'un, que ce soit à pied ou en vélo, on fait nos interventions avec. Puis on a des petites lumières bleues et rouges dessus. Absolument. Parfait. Et bien, c'est où qu'on peut obtenir plus d'informations pour également les fraudes chez les personnes âgées et aussi pour le service patrouille à vélo? Il y a des postes de quartier. Regardez dans votre secteur, il y en a un dans chaque secteur de Laval. Il y en a 6 en tout, les postes de quartier. Il y a le quartier général aussi. Il y a la poste de la gendarmerie. Faites les téléphones. Les mondes qui sont là sont capables de vous répondre à toutes les questions. Si vous avez besoin d'aide, exemple, une plainte de bruit, les patrouilleurs à vélo dans un parc sont là pour ça. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut obtenir plus d'informations? Il y a notre site Facebook qu'on a commencé il y a peut-être un bon 3 semaines. Allez le consulter. Il y a les postes de quartier encore. Il y a le quartier général et la poste de la gendarmerie. Parfait. Alors bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission, M. DJ Nova. Ça me fait plaisir. Les dernières nouvelles avec le Mondial Loto-Québec, ici à Laval. Un gros spectacle le 24 juin, c'est où est-ce qu'on a décidé de célébrer à la belle étoile au Centre de la nature. Avec nous l'autre, Éric Lapointe. Si je suis ici au Centre de la nature de Laval, dans le cadre du Mondial Loto-Québec, c'est pour assister au spectacle qui nous est très cher à nous, les Québécois. Je parle de la fête nationale. Alors, on voit qu'en ce moment, l'ambiance est déjà très bonne, malgré le temps gris. Ça n'a pas empêché les familles de venir festoyer. Ce soir, il y a un spectacle de Éric Lapointe, mais également plusieurs invités de grands noms, tels que Kevin Parent, Marjo, Marc Hervieux. Au total, il va avoir un orchestre composé de 50 chœurs, totalisant 30 musiciens. Donc, ça risque d'être un spectacle très prometteur. Vive le Québec! Oui! Hey, bon... oh, yeah!
Sassanac, Chrome, Felipe, the Menuda Super Bobby Bill, Keysan, Bobby Bill, Bobby Bill. Oh my God, my casket, oh my God. Viens-tu danser un beau grand slow collé? Faut jamais oublier d'où on vient. En tout cas, moi je me souviens. Le dépanneur du coin n'a jamais accrédé. Quand on venait le matin, les yeux de l'œil par la pluie. On était pauvres mais heureux, tant qu'il nous restait quelque chose à voir. On parlait encore à Dieu, tout seul à y croire. Pas sûr de finir vieux, mais parti pour la gloire. La peur, la peur et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. On est tous poignés sur la même terre. Non, je suis pas un chanteur populaire. J'ai un gars ben ordinaire. Le spectacle est sur le point de terminer. Je veux dire, c'était un spectacle hallucinant avec les invités et l'orchestre. J'espère que ça vous donne l'occasion de venir l'année prochaine. Et j'aimerais vous souhaiter à tous les Québécois bonne fête nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous avez été extraordinaire. Le A est... Je voulais passer à la deuxième cassette. Le AFS Interculture, c'est quoi au juste, Catherine? C'est un organisme qui promouvoit les échanges interculturels et c'est avec Mme Annie Gingras qui vient nous en parler davantage en studio. Je vous présente Mme Annie Gingras et Anne-Marie Christensen.
Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'AFS Interculture, je l'ai bien dit. Oui, AFS Interculture. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, c'est un organisme communautaire qui permet les échanges entre les étudiants de différents pays. C'est ça, on accueille des étudiants qui viennent de 30 pays différents, que ce soit l'Europe, Amérique du Sud, Océanie. Il y a beaucoup de choix. Asie. Oui, exactement. À chaque année, on accueille à peu près 144 étudiants qui viennent de partout dans le monde, qui sont à travers le Québec. Et ici, à Laval, bien, c'est ça, on accueille environ 10-12 étudiants par année. Et est-ce que cet échange est ciblé à une clientèle précise? Oui, à ce moment-là, bien, c'est ça. C'est des étudiants qui sont entre 16 et 18 ans, qui sont secondaire 5. Ouais. OK. Donc, prêts à graduer. Exactement. Exactement. Ils viennent vivre l'expérience de la graduation au Canada. Ouais. Ouais. En quoi consiste l'accueil d'un participant? Oui, bien, à ce moment-là, c'est ça. L'étudiant s'est inscrit dans son pays. Nous, on reçoit les dossiers de chacun des étudiants. Puis, on rencontre des familles qui sont intéressées à accueillir ces étudiants-là pour une période d'un an. On leur présente les dossiers qui peuvent correspondre à leur famille, à leur style de vie. Puis, l'étudiant passe un an d'intégration dans la famille et va à l'école. Et les étudiants arrivent pendant l'été ou juste au début des cours? C'est juste au début des cours, habituellement dans les jours qui précèdent l'entrée scolaire, fait que fin août. C'est ça, ils sont ici pour vraiment au niveau légal, au niveau des visas étudiants. Okay. Fait qu'ils viennent pour étudier pendant une année scolaire. Fait qu'ils arrivent ici fin août et ils repartent début juillet là, dans les prochains jours. Et comment ça fonctionne pour quelqu'un qui désire s'inscrire? Oui. On va sur un site Internet? Oui, c'est ça, on a un site Internet qui est le www.afscanada.org. À ce moment-là, les gens peuvent avoir toutes les informations pour pouvoir s'inscrire. C'est ça, les étudiants qui aimeraient vivre l'expérience de partir dans un autre pays pour une période d'un an ont toutes les informations sur le site Internet, comment faire l'inscription. Puis les familles qui aimeraient accueillir exactement, un étudiant oui. qui provient d'un autre pays, à ce moment-là aussi, sur le site Internet, il y a les informations pour l'inscription. Et vous êtes un organisme communautaire, donc vous avez des bénévoles. Mm-hmm. Qu'est-ce que les bénévoles sont appelés à faire? Oui, bien, il y a beaucoup de choses. Oui? Il y en a trop? Il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être faites par les bénévoles. À cause de ça, c'est un organisme qui fonctionne principalement à cause des bénévoles. Il y a plus de 10 000 bénévoles au Québec. Wow, 10 000? Ouais. Juste au Québec? Au Québec, oui, okay. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, au niveau des bénévoles, bien, c'est ça, c'est apporter le soutien pour le fonctionnement de l'organisme. Pour faire les rencontres, les entrevues de sélection, quand on fait des okay, entrevues pour les familles et pour les étudiants qui veulent quitter. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, il y a des gens qui font ces entrevues-là. Et aussi au niveau de l'année scolaire, bien, s'occuper à ce que ça fonctionne bien pour les participants, les familles d'accueil, parce qu'il y a des bénévoles qui sont attitrés à chaque famille. Puis à ce moment-là, bien, c'est ça. Si la famille a besoin de conseils ou l'étudiant a besoin de conseils pendant son année scolaire... Ils ont quelqu'un à se référer. Il y a un bénévole okay. qui est disponible pour eux en tout temps. Puis aussi, bien, au niveau du comité d'AFS, à Laval, notre comité, bien, c'est sûr qu'on organise des activités avec les étudiants, avec les familles. Fait que ça prend des gens pour organiser le tout. Les activités, oui, exactement. Fait qu'à chaque année, on va à la cabane à sucre... On fait un épluchette de blé d'Inde à l'automne. Alors, tu as eu la chance de découvrir la cabane à sucre? Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui, beaucoup. Oui? Et c'est quoi les différentes destinations possibles? Oui, bien, à ce moment-là, c'est ça. Il y a plusieurs choix, mais principalement, il y a plusieurs pays d'Europe qui sont ouverts. Il y a l'Amérique du Sud, qui a beaucoup de pays aussi. Océanie, on a Australie et Nouvelle-Zélande. Alors, ça me donne le goût de le faire. Oui! Il y a l'Asie aussi, qui a okay. la Thaïlande, le Japon. Ce sont des destinations, oui. La Chine. Ce sont des destinations. Et toi, Anne-Marie, tu es présentement en échange. Ouais. Puis tu te souviens de quel pays, pour qu'on sache? Groenland. Wow! Donc, tu es venue ici sans parler rien du français. Comment tu as fait pour t'intégrer en ne parlant pas la langue? Non, moi je parle bien anglais. OK. Alors, j'ai demandé à tous mes amis, tout le monde qui parle anglais, comment tu dis ça?
puis j'ai appris français comme ça. Oh, c'est super bon. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir partir et venir au Canada? Je voulais vivre une expérience différente. Et j'ai beaucoup d'amis qui vont au Danemark pour étudier là-bas, mais moi, je voulais faire quelque chose de différent. Et pas beaucoup de gens qui vont au Canada. C'est moins populaire. Ouais, comme si tu vas en Amérique du Nord, c'est aux États-Unis, c'est pas au Canada. OK, ouais, ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment aller au Canada. Est-ce que tu vas avoir le goût de revenir? Ouais. Après mes études, tu reviens. Et c'est quoi? De quelle manière l'expérience a fait? Est-ce qu'elle a influencé tes études? Mais si on passe notre année, c'est comme si je veux avoir un travail, je peux donner mon diplôme. Mais moi, je n'ai pas passé mon école, alors. Mais c'est juste pour l'expérience, pour grandir. OK. Ah, c'est le fun. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de ton expérience? Comprendre français et avoir des amis du Québec et le reste du monde. C'est vrai, parce que tu fais des amis qui viennent de d'autres pays, qui font l'échange également au Canada. Mm-hmm. C'est quoi les différents programmes offerts aussi? Oui, bien c'est ça, il y a plusieurs programmes. Principalement, c'est le programme année, qui est comme Anne-Marie a fait une année au complet dans un pays d'accueil. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est l'intégration totale pendant un an. Ils apprennent le français, ils apprennent la culture, ils vivent vraiment au rythme de la famille. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est vraiment... ils font partie intégrante de la culture. Ouais. Sinon, il y a des programmes, programmes été. Il y en a qui partent pour 2 mois pour l'Amérique du Sud, qui est un programme, c'est ça, court. Sinon, il y a le programme court aussi pour les pays anglophones, pour apprendre l'anglais pendant l'été. Fait que c'est ça, principalement. Il y a un programme adulte aussi qui est d'aide humanitaire dans différents pays. Fait que c'est ça, tous les programmes, les informations sont sur notre site Internet. Okay. Et êtes-vous présentement en recrutement pour d'autres familles d'accueil? Parce que ça devient de plus en plus populaire, je pense. Oui, exactement. Il y a beaucoup de demandes qui est faites pour le Canada. Beaucoup de personnes qui viennent, comme je disais tout à l'heure, 144 étudiants au Québec. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de familles pour pouvoir accueillir ces étudiants-là. Présentement, on est en période de recrutement, comme c'est ça, Anne-Marie, elle quitte dans les prochains jours, mais on a un autre groupe qui arrive. Mon Dieu, ça arrête. Ça arrête pas, non, c'est ça. On a un nouveau groupe qui arrive pour le mois d'août, qui vient pour un an. Okay. Fait que présentement, c'est ça. On recherche des familles dans la région qui seraient intéressées de pouvoir vivre une expérience. C'est stimulant, c'est le fun, tu t'attaches tellement aux jeunes, c'est sûr. C'est ça, on apprend beaucoup de la culture. T'sais, on leur apprend notre culture, notre langue, mais ils nous apprennent aussi beaucoup de leur culture. Moi, quand j'ai connu l'organisme, ce que j'aimais, c'est comme si on voyageait chez nous. C'est vrai, souvent, tu découvres certaines choses. Exactement. Souvent, on n'a pas la chance de partir visiter le monde, on dit « j'aimerais faire le tour du monde », mais on n'a pas toujours la chance de le faire. Là, c'est comme le faire, mais chez nous, parce qu'on accueille un étudiant, puis en même temps, bien, on rencontre les autres étudiants, on rencontre les autres familles d'accueil, on fait beaucoup d'activités ensemble, fait qu'on finit par créer des liens. Puis maintenant, avec Internet, c'est tellement facile. Mais oui. Que c'est ça, on crée des liens avec tous les étudiants, puis on voyage comme ça. Comment les gens peuvent-ils faire un don à l'organisme? Oui, bien, c'est possible en allant sur le site Internet. D'avoir les coordonnées pour pouvoir faire un don. Mais c'est sûr que le plus grand don pour l'organisme, c'est vraiment l'implication de donner un petit peu de son temps bénévolement à l'organisme. C'est sûr que c'est vraiment important. On a toujours besoin de gens motivés qui ont envie, c'est ça, de connaître les étudiants, oui. Connaître les Parfait. Gens. Parfait. Donc, pour obtenir plus d'informations, on va sur votre site Internet. Oui, il y a le site Internet qui est le www.afscanada.org. Parfait. Puis aussi, on peut contacter Mme Ingrid Roussin, qui est de l'organisme AFS Canada, qui peut donner les renseignements. Son numéro de téléphone, c'est le 514. J'ai juste 288-3282. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. J'étais super contente de vous rencontrer. Merci. Et bonne journée. Merci, bonne journée. Tu nous as parlé de baseball tantôt, mais tu nous parles de d'autres sports aussi. Oui,
Tout d'abord, je vous parle de basketball et ensuite de football. Mais en basketball, si je vous dis les Cavs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Certainement. Non, mais c'est pas une nouvelle équipe, ça, de basketball ici à Laval? Pas tout à fait nouvelle. Okay. Elle vient de la ville de Québec, mais ce sera notre nouvelle équipe de basketball à Laval. Ici dans la région. Oui, ici dans la région, donc à partir de l'automne prochain. Je vous explique davantage. Le 28 juin dernier, le conseil d'administration de la Ligue nationale de basketball du Canada a officiellement permis le transfert des Cavs de Québec vers la ville de Laval pour la prochaine année. Les Cavs vont évoluer au Colisée Laval. Vous connaissez certainement. Oui, bien sûr. Un très beau Colisée, d'ailleurs. Oui, très beau Colisée. Et peut-être qu'ils vont trouver domicile au nouveau complexe multifonctionnel, culturel et sportif dont la construction va débuter à l'automne. Oui, exactement, à l'automne prochain. Ils ont eu la raison pour laquelle ils déménagent... Ouais, c'est ça la question qu'on se posait tous. Pourquoi ils sont venus, ils se sont déplacés de Québec ici dans la région? C'est que cette équipe a trouvé énormément de problèmes à se loger. Donc, ils n'ont juste tout simplement pas trouvé domicile nulle part. Oui. Et là, ils ont trouvé domicile à Laval. Et monsieur Vincent Bernier, le directeur général de l'équipe, se dit très fier de la nouvelle que la Ligue a annoncée, puisque l'équipe va rester au Québec et non dans une autre province et dans un autre pays. Alors, on va pouvoir conserver l'équipe chez les Québécois. On va pouvoir la conserver dans une belle ville aussi. Oui, une très belle ville, Laval. Et je vous question un petit peu plus d'informations. L'année dernière, l'équipe de basketball a terminé à la troisième position du classement général de la saison régulière. Il y avait deux Lavallois parmi l'équipe, dont Ricky Volchi, je ne sais pas si je le dis correctement, et Yannick Anzuluni. Ils ont évolué avec les Cavs. Et le début de la saison pour cette année sera prévu à l'automne, en octobre. Bon, on aura peut-être l'occasion de suivre ça, bien sûr. Ben oui, on va suivre ça. Absolument. Alors, Younes, pour poursuivre nos nouvelles sportives, on continue en football. Oui. En football avec l'équipe Québec. Le 2 et 3 juin dernier avait lieu le camp de sélection de l'équipe Québec des moins de 18 ans. Ce sont 118 joueurs de provenance d'un peu partout à travers le Québec qui se sont adonnés à ce camp d'entraînement pour tester leurs habiletés physiques. Et 8 joueurs de football lavallois se sont soumis à ces tests physiques, dont 6 pour l'équipe les Loups de Curé-Antoine Labelle et 2 des Bulldogs de Laval. Ces joueurs font partie des 54 joueurs qui feront partie du camp d'entraînement de l'équipe du Québec. Et tout ce camp d'entraînement aura lieu au campus du Fort Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu du 6 au 13 juillet. Ben, on leur souhaite bonne chance en espérant qu'il y ait quelques athlètes lavallois qui seront retenus pour l'équipe. On espère, puisque ce sont seulement 40 joueurs qui vont être sélectionnés pour faire partie de l'équipe finale. Sur 180 joueurs. Sur les 54 qui ont été sélectionnés pour la première sélection. Alors, sur ces 40 joueurs, l'équipe Québec va se diriger à London, en Ontario, pour la Coupe Football Canada qui va se dérouler du 15 au 21 juillet. Et pour ensuite... Remporter un trophée puis revenir. Essayer de remporter un trophée, puisque l'équipe de football de Québec a remporté l'année dernière et cette année, ils vont tenter de défendre leur titre à nouveau. Ben, on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite peut-être ramener le trophée ici, pourquoi pas? Oui, surtout qu'on a des joueurs lavallois qui feront probablement partie de l'équipe. Absolument. Un autre spectacle hommage cette semaine. Oui, au Mondial Loto-Québec de Laval, il y a ce spectacle-là disparu qu'on offre au public. Et cette fois-ci, c'est Jean-François Beau qui montait sur scène pour offrir un hommage à Gilbert Bécaud. Et pour l'occasion, je vous demande d'accueillir Jean-François Beau. L'insecte fragile, l'esclave de cils, je t'appartiens. Dans le cadre du Mondial Loto-Québec de Laval, il y a une série de spectacles qui a été créée pour rendre hommage à 10 grands disparus, et on l'a nommé Disparu. Et ce soir, on a la chance de rencontrer Jean-François Brault, qui va rendre hommage à un grand de la chanson francophone, Gilbert Bécaud. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Je viens d'apparaître sur la scène de Disparu. Ni vu ni connu. Voilà. Dis-moi, Jean-François, comment t'es-tu senti quand on t'a proposé ce projet-là?
Toujours très excité quand Grégory me propose un de ses projets. Ça faisait 2-3 ans que Grégory m'invitait au Mondial Chorale pour faire soit les spectacles de Elvis ou des Beatles. Cette année, le concept, c'était de rendre hommage à 10 personnes qui ont marqué la scène musicale. Et moi, ben, j'avais le rôle de remplir la soirée Gilbert Bécaud avec Grégory ce soir. Puis j'étais très content parce qu'en même temps, je suis de la génération qui ne connaît pas nécessairement toutes les chansons de ces grands chanteurs-là. On connaît les classiques, tu sais. Et de là, quand Grégory me propose ce genre de projet-là, ça me force à m'asseoir puis à étudier des chansons que j'apprends à connaître et que j'apprends à aimer beaucoup, tu sais. Et tu dis des grands chanteurs qui ont marqué l'industrie musicale. Pour toi, comment Gilbert Bécaud a marqué l'industrie musicale? Ben, c'est pas, il nous a laissé, je pense, c'est au-dessus de 400 chansons dans le répertoire qu'on peut chanter aujourd'hui, qui sont des classiques. Tu sais, aujourd'hui, j'écoutais la répète avec les cordes, le band de Grégory. Ce sont de grandes chansons à la James Bond. C'est vraiment... On n'entend plus ça aujourd'hui. Et lui, ce grand auteur, compositeur, interprète-là, il nous a laissé tout ce matériel-là. C'est un trésor, tu sais. Et là, t'es un excellent chanteur, mais confidence, là, est-ce que c'est difficile de chanter du Gilbert Bécaud? Faut pas faire ça à moitié, tu sais. C'était une bombe d'énergie sur scène. Il l'appelait Monsieur 10 000 volts ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc, tu peux pas faire ces chansons à moitié. Je t'appartiens. Mais façon Gilbert Bécaud, il y a une de ces versions-là qui est explosive, là. Je suis fatigué. À la fin de la chanson, Jean-François, il est fatigué. Quelle chanson, bon, cette question-là a deux volets. Quelle chanson interprétée par Gilbert Bécaud, est-ce que c'est ta préférée? Et aussi, quelle chanson aimes-tu mieux, toi, interprétée de Gilbert Bécaud? Ma chanson préférée, je pense, de Gilbert, là, en ce moment, là, c'est une chanson que je connaissais pas avant de... Tu l'as découvert. Que j'ai découvert, là, avec le spectacle, c'est Tante Jeanne. Les Tantes Jeanne, je trouve que c'est une espèce de chanson tout en légèreté, avec beaucoup de subtilité. Ça parle des cousins-cousines qui étaient à la maison, qui allaient chez leur oncle et que là, ils voyaient passer les Tantes Jeanne. Puis à chaque fois, c'était une nouvelle, mais c'était toujours Jeanne. Et là, eux autres, les petits jeunes, eux autres, ça leur permettait de... C'était comme des belles vacances pour eux autres parce que le mononcle était toujours content. En tout cas, c'est ça, c'est l'histoire de la chanson. Et j'aime beaucoup interpréter cette chanson-là. Sinon, ben il y a ceux que je connaissais déjà, tu sais, en septembre. Pour moi, ça, c'est une très belle chanson que j'adore. L'important, c'est La Rose aussi. C'est une très belle chanson que je fais ce soir. Et il y a une chanson que Grégory fait qui vient me chercher. Je sais pas le titre, mais... On va le découvrir ce soir. Vous allez découvrir. Je vais vous faire un... C'est ça, tu sais, pendant qu'il fait la chanson, c'est ça. Je vais faire ça. Et là, ce soir, bon spectacle au Mondial Auto-Québec de Laval. Mais ça rentre quand même dans un été qui est assez rempli, là. Un gros été plein de beaux événements, dont, entre autres, La Vie à deux, le spectacle, avec la belle Marie-Ève Janvier. Parle-nous un peu de ce spectacle-là. Ah, tu pensais que je te parle de Marie-Ève Janvier? Ben, aussi, on veut savoir, là. Écoute, le spectacle La Vie à deux va très bien. Ça fait 3 mois maintenant qu'il est commencé. On est très, très heureux du résultat. On a fait la salle André Mathieu ici. C'était rempli, c'était une belle salle pleine. C'est comme ça depuis le début de la tournée et ça continue jusqu'à l'automne. Au printemps prochain même, 2013, on a des dates de spectacle partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Donc ça, là, c'est un super beau projet pour nous. Et on a nos émissions de télévision aussi à l'automne, Marie-Ève et moi, qui commencent. Marie-Ève fait sa deuxième saison de L'Amour est dans le pré et moi, je serai un des coachs juges à Radio-Canada avec Bruno Pelletier et Joanne Blouin pour une émission qui s'appelle Un air de famille, où on invite les familles à venir chanter leurs chansons fétiches. En tout cas, ça commence. Donc, un automne très chargé entre les spectacles de La Vie à deux et nos émissions de télé. Des beaux projets variés, là. Absolument. Puis là, il y a un déménagement de maison, il y a des enfants au travers de ça, en tout cas. Est-ce que tout va rentrer? Peut-être, en tout cas. On va voir, ça va rentrer. Mais ça devrait. Et pour le spectacle Ma Vie à deux, là, oui.
je sais pas, je veux que tu me parles un peu de ça parce que quand on est dans la salle, moi je l'ai vu, oui. Quand on est dans la salle, on a du fun, puis oui. Vous avez l'air d'avoir du fun. Dis-moi, est-ce que vous avez vraiment autant de plaisir sur scène que nous, on peut le ressentir dans la salle? Bien, on veut que, tu sais, le spectacle La vie à deux, je suis content que tu me dises que tu l'as vu. C'est un échange d'énergie, tu sais, avec notre public. Oui, on a beaucoup, beaucoup de plaisir sur scène. On essaie d'être le plus proche de la vérité possible. En espérant que les gens captent bien ce qu'on est, puis ça fonctionne jusqu'à maintenant. T'sais. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite un beau spectacle ce soir avec Gilbert Bécaud. On a bien hâte d'entendre ça. Et pour avoir plus de détails sur les spectacles qui s'en viennent, entre autres La vie à deux de Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, on se rend au www.marieve-et-jean-françois.com. Je reviens te chercher. Tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. C'est déjà terminé pour nous aujourd'hui. Oui, et vous avez couvert pas mal de sujets d'ailleurs. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui vous a marqué? Devine-moi. Ben... Mondial Loto au Québec. Gourmand? Non, les fêtes gourmandes. Ah, ben oui, ouais, c'est ça. Notre grand mangeur. C'est vrai. Ben, apporte-nous de la bouffe la semaine prochaine. Mais non, ça va faire plaisir avec moi. On va tout aller aux fêtes gourmandes. C'est ça. Bonne idée. Tu vas payer? Non, c'est la station. OK, parfait. On s'en vient. Toi, et Catherine? Moi, c'est avec le sergent Franco Di Genova. Je trouve ça super intéressant. Mais toi, la police, chaque fois. Ah, écoute, mais je trouve ça super... T'as un petit faible pour la police, d'ailleurs. Non, ils sont très gentils. On compte même si... plus tes entrevues avec la police. Ah, c'est ça. Écoute. Mais j'aime ça. Je trouve ça très pertinent. Ouais, et... très intéressant. Oui, très intéressant. Toi, Sarah, dis-moi pas le baseball, non? Moi, ben, quasiment. Mais tout d'abord, la sangria de Sam. Ça me surprend à quel point il peut consommer une quantité d'alcool intense comme ça. Et puis, le baseball. Le baseball, absolument. Oui, mon talent au baseball que j'ai découvert. Oui, c'était une surprise pour toi. Oui, le coach voulait me faire signer un contrat. Wow! Ah oui? Oui. Ah oui, c'est vrai, ce mensonge. J'ai dû le surprendre. Ben oui, ben oui, mais t'as beaucoup de talent, t'es une fille sportive. Ça m'étonne même pas de ta part. Une nouvelle carrière pour Sarah. Absolument. Je quitte. Je m'en vais jouer au baseball. Merci beaucoup à vous. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Je vous rappelle la question de la semaine qui est « Qu'est-ce qui vous fait plaisir pendant une fin de semaine d'été? » Pour répondre à la question, vous allez sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je vous rappelle, je vous donne rendez-vous finalement la semaine prochaine pour une dernière émission. Et je vous laisse avec Anne-Marie Kirouac avec Laval en rafale. À la semaine prochaine. Bienvenue à Laval en rafale, ici Anne-Marie Kirouac. On commence cette semaine avec un compte-rendu du Symposium de Sainte-Rose 2012 qui avait lieu le 5 juillet dernier. Bonjour, mon nom est Carole Fauché, je suis de Rosard et je suis ici pour vous parler du Symposium de Sainte-Rose qui aura lieu du 26 au 29 juillet sur le boulevard Sainte-Rose en face de l'église. C'est un événement qui rassemble 80 artistes, peintres et sculpteurs de toutes les régions, beaucoup de Laval, mais d'un peu partout aussi au Québec. Pendant le symposium, il va y avoir des visites guidées de maisons ancestrales de Sainte-Rose. Il va y avoir la Société d'histoire de Laval qui va être sur place. On va aussi avoir des musiciens qui vont se promener pendant les 4 jours du symposium. Il va y avoir aussi une exposition de grand format au Centre d'art ainsi qu'une exposition dans notre galerie d'art, la Vieille Caserne. Pour cet événement qui se déroule du 26 au 29 juillet, on vous attend en grand nombre. Venez nous rencontrer. Voici maintenant un compte-rendu du spectacle de danse urbaine « Rebelles et vagabonds » qui a eu lieu le 29 juin. Thank you.
J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Dans le cadre du Mondial Loto-Québec de Laval, plusieurs chorales se produisent dans diverses églises. Nous avons d'abord été présents le vendredi 22 juin. Bienvenue dans l'église Mont-Pasteur. Le Mondial Loto-Québec de Laval, présenté par Rona, commence cette année sa 8e série chorale. Donc, 100 chœurs, vous allez voir au cours des prochains jours, 100 chœurs, environ 3000 choristes. Ce qui fait de Laval la capitale chant chorale au Canada, et ce qui fait du rassemblement de chorales le plus gros en Amérique. Vous voyez, ces jolies dames viennent des États-Unis aujourd'hui. Elles s'appellent MC Girls Choir et la directrice juste ici musicale et les quatre, Rosenbaum. Yeah.
dirigée par Louis-André Allen. Le samedi 23 juin, nous nous sommes déplacés à l'église Sainte-Rose à Laval pour entendre deux chorales, le Rocky Mountain Children's Choir et le Saint Cyril and Methodius Choir. Chaque dimanche dès 9h30, n'oubliez pas le bingo à la télévision régionale de Laval, animé par Hélène Lavigne. Voici quelques gagnants. Pour connaître la liste des points de vente, visitez le www.bonjourbingo.com. Un rendez-vous à ne pas manquer au Canal 9 chaque semaine. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Laval en rafale.